Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle méthode que je viens de mettre au point pour pouvoir faire de l'acquisition de bases de données, c'est-à-dire récolter les coordonnées de vos clients pour pouvoir ensuite faire des campagnes de relance et les fidéliser. Et dans le même système, pouvoir faire en sorte que chaque client dépose un avis sur l'annuaire de votre choix, de votre choix, et faire en sorte que cet avis soit toujours positif. Alors vous le savez bien, aujourd'hui là, l'e-réputation pèse vraiment beaucoup dans la balance, dans la décision d'un client. Des mauvais commentaires peuvent vraiment défaire une bonne réputation de restaurant. Moi, je suis très attentif là-dessus. Et aussi, l'avis compte énormément dans le référencement internet de votre restaurant. Donc, pour vous montrer le support, j'ai fait imprimer des petits cartons comme ça qui paraissent très simples. Je suis sûr que la plupart d'entre vous vont se dire « Ouais, moi, je connais. » Sauf que je vais vous expliquer plus en détail comment j'ai fait ce petit carton qu'on place, que je place. J'ai oublié de vous le dire sous l'addition, comme ça. Tac. On va décortiquer tout ça. Je vais vous retrouver de l'autre côté sur mon ordinateur. J'ai préparé des petits slides. Je vais tout vous expliquer. Je vais vous donner toute la technique en fait. Et c'est une technique qui marche vraiment, qui est simple comme bonjour et qui marche. Il faut juste la connaître et connaître la bonne personne en fait pour la faire. Ce n'est pas moi, je vous expliquerai tout de suite. Alors c'est parti, on va décortiquer la fiche ensemble. En premier, je vais vous parler de la punchline. Tout s'est bien passé, donnez votre avis juste ici en 2 minutes. Le but était de faire comprendre le message très vite, aussi vite que l'action que va mener le client pour remplir cette fiche. Donc j'ai choisi un titre concis, voilà, efficace. Le but est vraiment, je vous répète, de comprendre au premier coup d'œil de quoi il s'agit. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus près au contenu du support. Comme vous pouvez le voir, je l'ai divisé en 2 sections. La section 1, qui est un système d'acquisition numérique, pour ceux qui préfèrent le digital, soit environ 80% de ma clientèle actuelle. Et la section 2, qui est une fiche d'acquisition manuscrite, rien de plus classique, je suis sûr que vous avez déjà vu ça aussi dans d'autres restaurants. Je vais essayer de passer en revue chacune des 2 sections pour vous expliquer la manœuvre plus en détail. Alors je reviens sur la section 1. Le flash code que vous pouvez voir là peut paraître vraiment ringard et dépassé, mais en fait pas du tout, il séduit beaucoup plus que la partie manuscrite. Les gens aiment avoir une interaction avec leur portable et surtout pouvoir échanger en fin de repas autour de cette interaction. Je l'ai vécu donc je peux vraiment vous le certifier. Alors j'ai choisi une accroche en fonction de ma cible, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose. Moi, ma cible, c'est une tranche d'âge large des 18-40 qui correspond à peu près 80% de ma clientèle. Et le système qui se cache derrière ce flash code est américain. C'est une toute petite start-up qui s'appelle RevLip qui a fait vraiment beaucoup parler d'elle aux États-Unis car ils ont eu des différends juridiques avec le monstre du référencement de commerce et annuaire Yelp. Vous allez voir, je vais vous faire une capture d'écran de mon iPhone et vous allez voir. Le procédé est vraiment plus simple. Voilà, je me demande comment j'ai pas eu l'idée. C'est vraiment très simple, très intelligent et surtout hyper efficace. On va passer de l'autre côté là et on va passer sur mon iPhone. Vous allez voir comment ça se passe. Pour que vous compreniez, tout le système RevLip est en fait un filtre. J'ai choisi au préalable Google comme annuaire pour que mes clients déposent un avis, ça aurait pu être très bien TripAdvisor, j'avais le choix sur mon administration. Là, le fonctionnement est très simple. Le client flash, on lui propose de gagner 100 € en bon d'achat. C'est encore RevLip qui prend en charge une loterie avec ses partenaires. Et vous allez voir, comme le questionnaire, le chemin est court. 4 questions. Le service, les plats, est-ce que je reviendrai, est-ce que je recommanderai. Baste. C'est vraiment très court, pas du tout chronophage. Le client choisit son bon d'achat. C'est la petite touche qui fait plaisir. Fun. Next. Boum. Là, on lui demande s'il veut être notifié de ses gains. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est sûrement des Américains, mais on s'en fout. Et là, il est redirigé sur l'annuaire que j'avais choisi. Google. Ce qui est très important, c'est que si l'avis, si les réponses du formulaire étaient négatives, il n'aurait pas été redirigé sur Google, mais sur une autre administration
qui est propre au restaurateur et l'avis ne serait déposé qu'en interne. Donc là, on arrive à la partie 2 de ma fiche. Donc, on a le prénom, le nom, tout ça c'est classique pour pouvoir personnaliser mes newsletters par la suite. L'email et le téléphone pour enrichir ma base de données. Alors le téléphone, je dois vous avouer que très peu de clients remplissent cette case, mais je l'ai quand même mis parce que le système Revly permet d'envoyer le formulaire du flashcode par texto. Donc il faut rentrer manuellement le numéro dans le back-office Revly. C'est un petit peu chronophage, mais ça passe. Voilà, je le fais parce que généralement, je prends toujours un numéro de téléphone pendant une réservation et j'utilise cette option comme ça. Ensuite, les cases à cocher, accueil, service, cuisine, ambiance générale, d'excellent à passable. Je ne vais pas plus loin que passable pour deux raisons. La première, c'est que je suis toujours là et je fais en sorte que rien ne soit mauvais ou nul. Si quelque chose ne va pas, ben, je réagis généralement immédiatement. Et la deuxième, c'est que je respecte mon équipe. Je les ai choisis et m'ont choisi. Mettre une hypothèse péjorative sur un formulaire comme ça remettrait leur travail en question. Et ça, c'est mon boulot, pas celui des clients. Et je tiens absolument à marquer cette limite. En dessous, vous avez une remarque particulière à formuler, pardon. Ici, c'est une partie très intéressante car votre client va vous soumettre une envie particulière et le cumul de ces envies vont vous permettre d'ajuster votre positionnement, votre marketing et faire en sorte de devancer vos concurrents petit à petit. Et enfin, pour habiller un peu la fiche, réseaux sociaux, coordonnées, site web, numéro de téléphone, basique de chez basique. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans la description, je vais vous laisser les coordonnées de Georges Boisis, le commercial, pour que vous puissiez tester ce système. Logiquement, il va vous faire un mois gratuit, donc ça engage absolument à rien. Ça va vous coûter zéro et vous allez voir tout de suite les résultats. Si ça va juste vous coûter un support, hein, vous pouvez tout imaginer comme support pour mettre un flashcode. Quoi vous dire de plus? Pour ne louper aucune de mes vidéos, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne YouTube, un max de pouces bleus si vous avez aimé, encore un pouce bleu si vous êtes sur Facebook, et je vous dis tous à bientôt sur restaurateurrestaurateur.com. Ciao!